Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un nail art tout mignon, tout kawaii avec Hello Kitty. Alors tout d'abord j'applique sur mes ongles ma base de Kiko pour protéger mes ongles et pour tout vous dire j'applique même deux couches de base puisque là je vais mettre sur tous mes ongles sauf sur l'annulaire du vernis rouge et on sait que le vernis rouge a tendance à déteindre un peu sur l'ongle et à les jaunir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer deux couches de base puis mon vernis rouge sur tous mes ongles à l'exception de l'annulaire où je vais mettre du blanc. J'applique deux couches de chaque couleur puis je vais attendre que ça sèche. Ensuite, on va faire un motif très simple sur les ongles en rouge. On va tout simplement faire des points. Donc pour cela, je vais prendre un dotting tool et je vais faire des points blancs sur tous mes ongles. Donc comme vous voyez, je procède par colonne en fait. Je fais d'abord un point en haut et en bas. Et ensuite, alors vous allez voir que c'est plus simple quand on fait comme ça. C'est qu'on remplit d'abord en haut, en bas et ensuite on fait les ronds au milieu. Et on va refaire à chaque fois une ligne de points en la décalant un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en pratique, c'est assez simple à faire. Voilà, on a notre motif de points, donc on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Hello Kitty. Donc pour cela, je vais prendre du vernis noir et un petit pinceau fin. Et je vais faire deux ovales noirs pour les yeux. Un gros ovale sur le côté horizontal pour faire son petit nez. Et ensuite, pour faire ses moustaches, je vais faire trois traits obliques de chaque côté du museau. Ensuite, on va s'attaquer au petit nœud. Donc pour cela, je vais prendre toujours mon pinceau fin que j'ai nettoyé entre deux et mon vernis rouge que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais faire trois ronds les uns à côté des autres. Voilà. Et pendant que ça sèche, je vais reprendre mon petit museau, donc avec mon petit pinceau, je vais déposer un peu de vernis jaune au centre de notre ovale pour le museau. Et voilà. Ensuite, pareil, je vais faire les contours du petit nœud, donc je vais faire trois ronds en noir. Et sur les ronds des côtés, je vais faire une petite boucle pour faire le pli du nœud. Et voilà, rien de compliqué, vous voyez, il ne nous reste plus qu'à appliquer le top coat. Donc comme d'habitude, j'utilise le top coat poché en couche assez épaisse. Et je vous conseille quand même d'attendre un petit quart d'heure que ça ait séché avant de vous attaquer au top coat. Et voilà, j'espère que ce nail art vous plaira. Moi j'ai bien aimé parce que j'adore Hello Kitty, je trouve ça tout mignon. Si vous avez aimé aussi, mettez-moi un petit pouce bleu, moi ça me fera toujours très plaisir. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.